Le film en cours porté par Primitivi, Marge de manœuvre, un film embarqué en Tunisie. Tunisienne qui est en train de préparer un peu notre venue, aussi en lien avec des pêcheurs. Et on est en train de prendre des contacts en Sicile aussi pour pouvoir peut-être faire quelque chose sur place, quoi, que ce soit, je ne sais pas encore quoi, une projection, rencontrer les gens qui s'activent avec les personnes exilées en Sicile. Bateau, on est dedans parce qu'on l'emmène à Zarzis pour rencontrer ces personnes-là. C'est presque comme une micro-parenthèse de mini-aventure qui se décale de l'objectif initial, mais qui ne peut pas. Il y a une obligation d'existence parce que c'est comme ça qu'on avance pour aller là-bas, quoi. À l'heure où je vous parle, l'Italie ramène constamment des Tunisiens de l'Italie. L'Allemagne aussi en fait pareil. Et donc c'était la première phase même de l'externalisation des frontières. Vous savez, la Tunisie ne fait pas d'expulsion. La Tunisie fait ce qu'on appelle une reconduite aux frontières. Donc c'est l'expulsé qui paye son billet d'avion. Et donc quand l'Italie ramenait les migrants subsahariens, ou quand la Tunisie prenait des subsahariens en situation irrégulière et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer leur billet d'avion, la police des frontières tunisiennes les reconduisait à la frontière tuniso-libyenne, leur donnait une baguette de pain, une boîte de sardines et leur disait voici l'Afrique là-bas. Oh. Donc imaginez, et après, comme les Algériens, à la frontière du Maroc, ils les ramènent dans le désert. Voilà. Et la Tunisie, à un moment donné, après la révolution, ils ont dit non, on ne fait plus ça. Mais en 2016, le 2 décembre 2016, ils ont expulsé 11 migrants dans la nuit. Et parmi ces 11 migrants, il y avait 9 femmes, dont une femme enceinte. Il y avait un Somalien et un Camerounais. Ils les ont envoyés en Algérie et il y a 2 des filles qui ont été violées par des militaires algériens. Et l'Algérie, 3 jours plus tard, a pris les gens et les a balancés à la frontière malienne. Du coup, voilà, bah, on vient d'entendre un extrait du film, du coup, qui a un titre provisoire pour l'instant qui s'appelle Marge de manœuvre. Mais on va peut-être le changer pour le final. Du coup, peut-être je vais revenir un peu sur l'origine du film. Le film, il a été construit en fait par des liens avec l'UNAPO, qui est une association du coup qui fait de la voile pour les gens qui peuvent pas forcément accéder à la voile d'habitude, parce que c'est plutôt un truc de bourgeois, entre guillemets. Et donc, du coup, voilà, je vais pas résumer ce que c'est que l'UNAPO, mais vous pouvez le découvrir par vous-même. Et voilà, c'est par ces liens entre ces deux associations, Primitivi et l'UNAPO, que le film a émergé. C'est tout d'abord Mathieu, du coup, Mathieu Vol, qui a commencé par faire un petit film en 2007 sur un cabotage. Il a filmé un peu l'expérience de l'UNAPO en mer. Et il a produit un petit film. Et donc, après, quand l'UNAPO a eu le projet de partir en Tunisie pour faire une rencontre autour de cette question de la migration avec différents collectifs tunisiens et d'ailleurs aussi, en Tunisie, ils se sont dit bah, on a envie que ça soit filmé, et du coup ils ont proposé à Primitivi de venir sur le bateau et de participer à cette expérience. Et du coup avec Mathieu, moi et Mathieu, on est dit bah, allez, on part, et on est parti sur le bateau. Donc c'est ce qu'on entend au début, on entend des bruits d'eau dans l'extrait, on a fait 15 jours de navigation. Et donc du coup bah, c'était la première fois que je partais en bateau, donc ça a été une forte expérience pour nous deux, déjà rien que le fait de faire une traversée Marseille, la Tunisie.
Et parce que voilà, le bateau c'est hyper prenant, on est remué au début, bah voilà, hein, tu vomis, t'es pris par la houle, t'es 8 sur un bateau, donc tu te marches à moitié dessus, l'autre il vomit dans ta vaisselle quand t'es en train de faire la vaisselle. Enfin voilà, c'est vraiment le bateau c'est hyper prenant, et puis t'es au moment tu flippes parce qu'on a déchiré une voile, on a un tronc d'arbre qui est passé à 50 cm du bateau. Donc t'es vraiment dans la peur, et dans le, en plus t'es pas bien, t'es pris par, t'as l'impression d'avoir pris les pires drogues qui existent sur cette terre, t'es vraiment mal quoi. Et du coup bon bah direct quand tu vis ce truc, tu te dis putain mais qu'est-ce que ça doit être de traverser la Méditerranée sur un Zodiac à moitié gonflé avec un moteur qui est en panne, surchargé. Donc on avait, je pense qu'on avait tous direct vu qu'on savait que le but de ce voyage c'était d'aller rencontrer ces collectifs qui essayent d'aider les, ou donner au moins les premières, parce que Lunapo allait là-bas pour donner des ateliers de sécurité en mer, c'est-à-dire des ateliers qui préparent qui préparent plutôt les associations qui essayent d'aider sur le terrain les gens qui partent à prévoir un minimum vital pour réaliser la traversée entre la Tunisie, là, pour le coup, et la Sicile en général, ou Lampedusa. Et donc, du coup, c'est donner vraiment les premiers réflexes de secours qu'on peut avoir, c'est-à-dire partir avec une boussole, un gilet de sauvetage, un minimum vital pour boire, pour manger. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée à la base de Lunapo, c'était d'aller transmettre des informations qu'eux, ils avaient de navigateurs aux gens qui se déplacent pour... qui se déplacent pour... Alors ça, par contre, c'est compliqué parce que c'est varié. Il y en a, c'est juste un voyage, c'était juste un désir de partir. Comme nous, on se déplace énormément, on peut partir en Chine, aux États-Unis, comme on a envie, avec un avion et un coup de tête. Eux des fois c'est juste ça, et d'autres c'est vraiment une nécessité de bouger de chez eux parce que c'est trop la merde, avec l'idée peut-être de pouvoir renvoyer des sous dans leur pays. Bon bref, c'est une question compliquée de ce qui se passe actuellement de la migration. Et donc pour revenir au film, voilà, c'était cette traversée pendant 15 jours. Après on arrive en Tunisie et on va passer 15 jours sur place. Et on commence par retrouver différents collectifs qui essayent d'apporter une aide à ces gens qui traversent, mais aussi d'autres personnes qui essayent de réfléchir sur comment travailler sur les oppressions qu'ils subissent dans... Bah, là, on a rencontré des gens qui travaillent surtout sur les oppressions qu'ils subissent en Tunisie pour essayer de se dire bah, peut-être que c'est pas la bonne solution de partir et qu'on peut réfléchir ensemble à travailler sur nos oppressions en Tunisie pour créer des choses ensemble, et que ça nous donne envie de vivre là, ici, et de peut-être partir à un moment, mais dans d'autres conditions que dans l'urgence et dans le fait de se dire allez, on traverse quoi. Après, nous, on est arrivé là-bas, on a été très bouleversés, hyper mal de ces premiers jours sur place, parce que bah voilà, on a rencontré Chemseddine, qui est une personne qui enterre les cadavres qui reviennent sur les côtes. Donc on a fait, enfin voilà, on a traversé ce cimetière où il raconte qu'il enterre des bouts de bras, des bouts de corps. On a rencontré des pêcheurs qui nous disent que quand ils vont à la pêche, ils remontent dans leur filet, pareil, des bouts de gens, qui ramassent des gens dans la flotte, des femmes enceintes qui accouchent sur leur bateau, enfin, que des trucs hyper trash, qui est un peu inimaginable de... Tout ça avec en plus derrière la vision de Frontex qui protège ses frontières et qui permet pas à ces gens de circuler normalement, et que du coup bah voilà, ces gens traversent dans des conditions vraiment horribles quoi. Donc on est dans un espèce de territoire complètement inhumain, on se demande où est la logique, où est la raison. Et donc on a vécu ces premiers 3 jours vraiment hard. Et après, on a rencontré du coup plutôt des gens qui font du théâtre forum, qui justement, eux, travaillent sur ces oppressions à Tunis. Et après, on a aussi à Tunis re-rencontré les gens d'Alarm Phone, qui est une association qui permet d'avoir un numéro
pas de sauvetage, mais on les appelle et ça leur permet de vérifier que les bateaux de secours partent bien au secours des gens qui sont au milieu de la Méditerranée, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein d'opérations de secours qui ne se réalisaient tout simplement pas, voilà, par la pression des gouvernements, par plein d'autres questions, mais donc voilà, il y a des gens qui veillent, qui essayent d'aider au maximum, qui essayent d'agir. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a essayé de prendre comme parole, et puis on a essayé de prendre surtout une parole de, non pas de gens qui nous racontent que ce truc trash de la traversée tout ça, mais aussi de gens qui essayent de s'organiser sur place, de gens qui essayent de s'organiser au moment où les gens traversent, de gens qui ont décidé aussi de vivre en Tunisie et de fabriquer des choses en Tunisie, qui arrivent aussi de Côte d'Ivoire. Ouais, et que ça puisse rester un endroit où il y a de l'ouverture et quelque chose de positif, même si dans des endroits comme ça, c'est difficile d'en trouver, quoi. Bah ouais, mais même sans parler forcément de positif, mais au moins d'aller chercher une parole qui essaye de construire quelque chose, quoi. Oui, voilà, ouais. Parce que ça sert à rien au bout d'un moment de raconter le côté trash, on le voit dans les médias traditionnels, tout ça. Nous, on a essayé, voilà, d'attraper une parole qu'on n'entend pas forcément ailleurs, qui est qu'est-ce qu'on construit, comment on s'organise, nous, entre êtres humains, puisque les États ont décidé de pas agir là-dessus, et plutôt d'agir contre et de laisser crever les gens, quoi. C'est clair, net et précis. C'est encore actuellement l'Aquarius, ils essayent de le couler pour une histoire judiciaire à la con. Enfin, c'est vraiment... on sent que les États refusent d'accueillir ces gens et même décident de les tuer, quoi, clairement, quoi. Et donc le film va un peu documenter toute ce mouvement-là et cette aventure. Voilà, le film a vraiment, voilà, essaye de se concentrer vraiment sur cette parole. Donc c'est un film très très caméra à l'épaule, avec un son pourri, avec des images avec plein de poussière sur l'objectif, mais parce que on a vécu dans des conditions un peu difficiles, du coup la traversée en bateau avec du sel, de l'eau, donc c'était pas facile de garder le matériel. Donc c'est un film avec très brut, très pauvre. Et qui essaye d'attraper cette parole de gens qui s'organisent sur place et qui essayent de lutter entre eux, voilà. Et c'est aussi dans cette perspective, c'est un film aussi qui permet de faire le lien entre ici et là-bas sur les questions de lutte. Voilà, c'était vraiment notre idée de départ, c'est-à-dire déjà c'est une même côte, la Méditerranée, il n'y a même pas de séparation entre ces deux continents, ils sont liés par la terre et il y a juste une mer entre les deux, et du coup... on se connaît pas bien entre les deux rives, alors qu'on a plein d'histoires en commun, et du coup comment on s'organise entre les différentes luttes et comment on met en lien ces luttes à travers juste cette petite nappe d'eau qui nous sépare, quoi. Alors ce film il en est quand est-ce qu'on aura c'est une question encore délicate. Non. Alors, on a eu des petits problèmes techniques personnels dans ce film, mais du coup, il est en cours de montage. Pour l'instant, on a des petits soucis de traduction. On espère le sortir pour mars. Voilà, on a fait un petit crowdfunding pour réaliser ce film. On remercie beaucoup les gens qui nous ont soutenus aussi là-dedans. Ça nous a permis aussi d'écrire ce film à travers ce crowdfunding. Et du coup, ça nous a permis de payer un tout petit peu les frais de transport, mais aussi on espère peut-être un peu de traduction et d'étalonnage et de mixage qui vont arriver normalement sous peu. On espère le sortir vraiment pour mars. D'accord. Mars 2019.